Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la gamme La Minute DIY. Durant cette petite minute, je vais vous présenter comment customiser des pots de confiture en jolis pots de rangement. J'ai vu ce DIY sur Pinterest et récemment je l'ai vu sur la chaîne de Zazabelle, donc sa chaîne sera bien sûr en noir d'un pot. Et donc on va tout de suite commencer avec la liste du matériel. Donc vous aurez besoin de un pot de confiture ou n'importe quel pot qu'il y a en couvercle, de petites figurines qu'on trouve dans nos jouets d'enfant, de peintures acryliques vertes numéro 19 ainsi que de beige numéro 7, d'un petit pinceau ainsi que d'une palette ou d'une feuille de papier, et pour finir, de super glue. Donc on va commencer par coller notre figurine. Donc vérifiez bien d'abord que la figurine correspond à la taille du couvercle. Vous allez coller et pendant que ça sèche, on va faire notre mélange de peinture, donc de vert et de beige, on va mélanger avec le bout de notre pinceau jusqu'à ce qu'on obtienne la couleur qui nous convient. Donc on commence par visser le couvercle sur le pot, puis on va venir le peindre entièrement. Donc n'oubliez pas de peindre la figurine à l'intérieur des pattes, sous la figurine pour que vraiment tout soit vert. Ici il me manquait un peu de peinture, donc j'ai recréé le même mélange jusqu'à ce que j'ai la même chose qu'avant. Puis vous continuez à peindre et voici le résultat une fois peint quand la peinture n'est pas encore sèche. C'est pour ça que c'est aussi luisant que ça. Donc voilà le résultat et je vous montre aussi le résultat sec. Donc voici le résultat sec, il vous suffit juste ensuite d'insérer tout ce que vous voulez mettre dedans. Moi j'ai mis des perles bleues et vertes parce que je trouvais que ça allait bien avec le couvercle. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, si elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça me ferait très plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.